Un peu comme l'histoire de l'histoire d'un extrait choisi d'une histoire de vie. Un peu compliqué peut-être. Une collection de 3 EP de 4 titres, un conte en 3 temps, comme une valse générationnelle, un triolet d'instants de vie. Une collection de 3 EP de 4 titres, liés par une histoire, un fil rouge symbolique, cicatrice, reflet, souvenir ou juste témoin d'une époque. Un X, un Y, un Z, comme une analyse grammaticale avant de finir avec un album. X, Y, Z. Comme un voyage musical avec des influences 80s, des idéaux en perpétuelle mutation. Une éthique que le temps et les mœurs renforcent ou désintègrent au fil des générations. L'histoire débute par une naissance, normale pour démarrer une vie. Mais moi, je nais comme beaucoup d'autres, sous X. Je fais donc partie de la génération X, celle qui suggère l'absence d'une identité spécifique, celle qui aura pour signe distinctif un anonymat volontaire. Impossible. Je n'en veux pas de cette vie. Je naîtrai donc Violette, pendue par un cordon ombilical suicidaire. Mais au bout de quelques secousses, je ferai néanmoins mes premières vocalises. Là, je ne grandis pas, non, je refuse. Je veux bien pousser à la rigueur comme une petite fleur et prendre quelques centimètres. Ce sont mes rêves qui grandissent, qui s'épanouissent tellement que je manquerai de m'y noyer à plusieurs reprises. Une petite fille guidée par ses rêves d'amour et par l'amour de ses rêves. Une petite fille qui décidera de renaître des années plus tard, en génération Y. Tellement plus chic, le Y, pour quelqu'un qui ne cesse de se poser des questions existentielles. C'est donc dans les années 90 que je suis vraiment née, quand certains de mes rêves sont devenus réalité. C'est là que j'ai décidé de grandir, avec dans mon sac à dos les meilleures références de la Gen Xer que je suis vraiment. Étape de ma vie très éprouvante, mais tellement riche en émotions que je la revivrai encore et encore. L'histoire dit même que j'en sortirai grandi. D'ailleurs, à mon tour de donner la vie et de me lancer à corps et à cœur perdu dans cette génération Z, en connexion permanente, au narcissisme permis, sans distinction entre l'intérieur et l'extérieur, l'intime et le social, où le mot d'ordre est d'accumuler les likes pour être populaire. Une génération maybe, où tout reste en option. Et puis un jour, avant de jeter ma couronne au milieu des fleurs, je chanterai peut-être dans le creux de l'oreille d'un petit alpha, un petit screenager aux joues toutes roses, qui sait.